Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les trucs et astuces pour réussir à émettre à partir d'émetteurs classiques de forme Cycle, d'émettre donc des petits paquets de particules qui vont pouvoir se rassembler, se resserrer entre eux pour former ensuite, grâce donc à l'édition du mesh qui suivra, pour créer des petites formes donc arrondies. Plus ou moins arrondie, plus ou moins grosse et épaisse, et qui va nous donner la possibilité de faire différents visuels de type boule de neige, de type grosse goutte d'eau, de type morceau de glace que l'on pourra utiliser, voire boule de feu, et que l'on pourra utiliser bien entendu dans nos différents visuels. Donc ici, on est sur une planète extraterrestre recouverte de neige, et au lieu de tomber des simples flocons, il tombe de vraies boules de neige pour enneiger et recouvrir donc l'ensemble de la station ici placée sur cette planète. Donc pour réaliser ça, au-delà du fait que on a un travail de rendu que l'on voit donc dans le VFX compositing trucage en termes donc de compositing de la station avec son arrière-plan, des shaders de neige, tout ça réalisé donc avec le moteur de rendu V-Ray. Au-delà du décor, donc on va réaliser la pluie de boules de neige grâce donc à un système d'émetteur de Cycle. Donc on en a mis 6 ici comme on peut le voir, et on va avoir donc l'émission à partir de ces Cycles. Donc comme on peut le voir par exemple sur celui qui est détaché du dessus, on va avoir donc une émission de particules. Alors là on ne le voit pas puisqu'on a le mesh qui recouvre, et on va venir donc okay. Voilà. Et on voit donc les particules ici qui sont émises et qui vont venir se regrouper au fur et à mesure qu'elles tombent, avec une gravité qu'il va falloir ajuster par rapport justement à la taille des flocons, je dirais, ou des boules de neige que l'on veut réussir à créer, hein, puisque si la gravité est assez importante, eh bien ça va attirer très rapidement les particules vers le bas, et elles n'auront pas le temps de s'agréger mutuellement, et ce qui fera donc des boules de neige à ce moment-là beaucoup plus petites, constituées de 2, 3 particules éventuellement. Et donc il faudra aussi régler en conséquence le Particle Mesh Legacy ici que l'on utilise pour créer le mesh. Donc toute l'idée consiste en fait, dans un premier temps, sans rentrer bien entendu dans un travail de programmation que l'on pourrait très bien faire et que l'on fait donc dans nos formations de FX Simulation, mais dans un premier temps, pour une première approche, je dirais intuitive, de RealFlow et de sa construction avec les paramètres d'émetteur, eh bien toute l'idée consiste à jouer sur un taux d'émission, un taux d'émission, une gravité et des paramètres donc des particules qui vont permettre à ces particules de s'agréger. Donc c'est ces trois paramètres ici qu'il faut venir prendre en compte et sur lesquels on va jouer. Donc on a la gravité ici. Si on regarde, la gravité à une certaine force, 70 ici, qui est relativement importante. On a des cycles, et alors on les a regroupés. Donc ça, je rappelle que en les regroupant, eh bien, ça permet le groupe de récupérer donc les paramètres. Si les éléments du groupe sont exactement les mêmes, on a tous les paramètres de chaque élément. Ça, c'est assez intéressant, et qui sont modifiés bien entendu simultanément donc avec le groupe. Ok. Donc si je fais ici speed open curve, déjà on a une construction de courbe qui est donc assez particulière ici, voilà, sur les 40 premières frames, et qui va avoir donc une forme de marche d'escalier. Donc on va avoir donc un escalier tous les 8 frames ici, et on va avoir donc une valeur de speed qui va être soit à 0, soit à 8 en marge d'escalier, ce qui fait qu'à un moment donné, on va avoir émission, pas d'émission, émission, pas d'émission, et ainsi de suite. Alors pourquoi on fait ça? De telle manière de laisser donc le temps justement aux particules de s'agréger, et de pas trop s'agréger avec celles qui arrivent au-dessus, de s'agréger entre elles avant, et de pouvoir chuter avec la gravité pour former ces fameuses boules.
et continuer à tomber. Donc c'est comme ça qu'on retrouve donc, si on regarde bien, on retrouve donc ici un ensemble donc de particules. Alors on ne sait pas trop lesquelles c'est pas grave, on va saisir tout. Ici le groupe. Ok, voilà. Et donc on a une certaine vitesse qui est plus forte, comme on le voit donc qui est en blanc, qui est plus forte ici sur les parties basses, elles prennent de plus en plus de la vitesse. Et on voit des paquets qui se sont formés, donc un paquet qui est voilà ici intéressant, qui sera sûrement donnera un effet un peu grossier de boule. Mais on a ici donc un paquet de particules qui s'est formé grâce à ce système-là. Et donc on voit les autres ici. On voit qu'on a une séparation bien marquée donc des différents paquets de particules et qui sont dus donc à cette émission fragmentée grâce à la variation ici du speed des différents cycles. Alors ils varient donc de la même manière. On pourrait avoir une variation décalée. Donc prendre ici par exemple l'ensemble des points et les décaler de telle manière d'obtenir donc des décalages entre courbes, bien entendu. Ici, donc ça c'est une des premières variations que l'on peut faire. Donc ça c'est le premier paramètre, donc le speed. Donc ce speed-là, ici de 8, on va le régler en fonction de la gravité. Donc il n'y a pas de relation entre les deux que l'on peut émettre sous la forme d'une formule. Ce n'est pas 10 fois plus ou 10 fois moins. On a une valeur de 8 ici, puis une valeur de 70 en termes de gravité. Donc tout dépend des autres paramètres, bien entendu, mais ça donne un ordre de grandeur. Et bien sûr, plus cette gravité sera importante ici, plus les particules auront tendance à se décrocher plus rapidement et à s'agréger encore une fois moins ensemble, je dirais, donc former des plus petits groupes de particules et donc à ce moment-là des boules de neige plus petites si on transforme ça en boules de neige. Ok. Donc, quels sont les derniers paramètres à régler pour obtenir donc le résultat ici qu'on va avoir? Donc, au début, donc on voit bien qu'on a des boules de neige en formation sur le cycle, et puis au fur et à mesure, bien entendu, on prendra le visuel à partir d'un certain moment, donc relativement bas, quand les boules de neige seront bien défaites. Hein, c'est ce qu'on utilise ici dans notre planète extraterrestre. On utilise donc la partie basse bien sûr de la simulation, laissant la simulation se former au-dessus. On a donc ici les particules qui se forment et qui forment des mèches, donc ici comme on peut le voir. Hein. Donc on a un groupe ici de particules qui forment des mèches au fur et à mesure. Alors, il y aura des boules qui vont se rejoindre éventuellement et éventuellement qui vont se redétacher. Tout dépendra bien entendu de la distance que l'on mettra donc entre ces boules, encore une fois de la gravité, donc tout ça se joue. Alors on a mis en place un noise qui permet de pouvoir créer donc une force avec un space scale de 1 et un time scale de 1, on l'a laissé par défaut ici. Donc là-dessus aussi on pourra jouer pour plus ou moins écarter les particules entre elles, pour les faire vibrer les unes par rapport aux autres, ou pour créer de grands mouvements d'écartement de particules par paquet. Et donc à ce moment-là, on augmentera le space scale ici. Donc on a une force relativement importante, notez-le ici. Et puis donc le dernier paramètre sur lequel on pourra jouer, c'est le paramètre donc de pression extérieure que on n'utilise pas trop, enfin qu'on ne sait pas trop utiliser, qu'on ne voit pas trop utiliser, mais qui est vraiment très intéressant et qui va permettre justement de pouvoir faire le visuel que l'on voit en termes de simulation. Ça veut dire rassembler des paquets de particules. Donc ici, on a un gap relativement important entre pression extérieure et pression intérieure. Et avec des paramètres de viscosité, de surface tension éventuellement que l'on a réglés, et éventuellement de densité aussi sur lequel on peut jouer. Mais le principal paramètre, encore une fois, c'est la pression extérieure. Ça va nous permettre de réussir, en couplant une pression extérieure relativement forte et un noise field, de réussir à venir que certaines particules viennent se rassembler et restent ensemble ensuite. Ok. Donc à partir de là, eh bien, on n'a plus qu'à mettre en place donc le particle mesh ici. Donc bien sûr, le particle mesh qui est le résultat final nous intéresse, à moins qu'on veuille récupérer les particules pour les traiter directement en rendu dans Maya et par exemple Krakatoa. Mais le particle mesh ici nous intéresse pour avoir donc
un travail surfacique de boules de neige, de blocs de glace qui tomberaient, ou voire de boules de flammes qui viendraient donc s'effondrer, percuter la planète. Donc ici, donc on a le particle mèche. Alors principalement le paramètre ici, donc on va utiliser le système des métaboles, hein, et principalement donc un des paramètres, c'est le polygon size ici, qui va donc permettre de pouvoir définir donc la taille de la précision donc ici donc de la forme, donc l'avoir plus ou moins détaillée et créer donc un mesh plus ou moins important. Donc c'est important de maîtriser ce polygon size ici, Et puis un des paramètres aussi importants, c'est les paramètres que l'on retrouve donc dans les cycles ici qui sont pris. Donc le particle mesh regroupe les 6, c'est l'avantage, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se croiser, éventuellement se reconstituer, les 6 cycles. Et puis donc on a la possibilité de jouer donc sur les paramètres ici de blend factor et de radius qui vont nous permettre de définir quelles sont donc les particules qui vont se mettre ensemble. Si elles sont trop loin, eh bien, elles ne vont pas créer de mèche. Et donc, ça va nous permettre d'avoir donc des boules plus ou moins importantes et passer d'une simulation, par exemple, de grosses boules de neige, entre guillemets, qui chutent, à de légers petits flocons ou de la pluie, éventuellement, avec donc des radius relativement faibles ici et un blend factor que l'on pourra ici faire évoluer. Donc, voilà les valeurs que l'on a ici. Mais pour terminer véritablement donc le mesh, il faudra faire des essais ici donc de blend factor et de radius, et ces essais sont relativement importants, mais ce n'est pas tout à fait le sujet donc de notre tuto du jeudi ici. Le principal était de pouvoir comprendre comment générer ces petits paquets de particules que l'on transformera ou non ensuite donc en mesh en jouant sur les différents paramètres que l'on vient de voir. Et bien sûr, le dispositif, j'en ai pas parlé, mais ça sera pour terminer. Le dispositif, bien sûr, du système que l'on utilise d'émission est relativement important. À dispositifs différents, systèmes donc de paquets de particules différents, bien entendu, avec des valeurs égales que l'on aura définies, comme la pression externe, le noise, et ainsi de suite. Donc, bien entendu, on a pas mal de paramètres à traiter et à gérer pour obtenir exactement le résultat que l'on veut, mais on a une conduite ici qui est assez intéressante pour générer assez rapidement des petits flocons ou des grosses boules de neige ou de la pluie ici qui va tomber par gravité. Donc bien entendu, tous ces essais, tous ces fonctionnements-là, on les retrouve dans nos formations de FX Simulation, dans lesquelles on va travailler donc cette émission, on va paramétrer ces émissions, on va écrire même des lignes de script pour paramétrer ces émissions les unes par rapport aux autres, pour paramétrer aussi le mesh résultant selon la vitesse des particules, par exemple, de telle manière qu'il n'y ait pas émission, création de mesh pour gagner du temps dans la partie supérieure, parce qu'on n'en a pas besoin, puisque on a le visuel dans la partie seulement inférieure qui nous intéresse. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir donc paramétrer donc la création du mesh en fonction, par exemple, de la vitesse des particules ou de la position même des particules, sachant que on veut là faire tomber les particules, et donc il y a une notion de hauteur sur le Y que l'on peut prendre en compte pour réaliser donc ces différentes programmations.